je parlais mal. Fais voir, vas-y, je peux regarder. Il a réparé, il a fait bzzz. Okay. Et après, je parle. Quand on a des projets en Suisse, ben d'une part, c'est vraiment pour apporter des soins de base ou l'accès aux soins aux personnes qui ne l'ont pas. Le deuxième but qu'on a dans ces projets, c'est de sensibiliser les autorités, l'opinion publique aussi, sur la difficulté pour certaines populations d'accéder aux soins. Tu vois, la semaine dernière, papier. Donné pour docteur. Oui. Docteur, papier, donné à toi pour moi. Oui. Ils sont où? Ici, ce qui est peut-être le plus difficile, c'est quand même la barrière de la langue, parce qu'il y a plusieurs différentes nationalités. Donc, tigrinia pour l'érythréen, le russe, l'arabe, l'anglais. Donc, oui, je dirais que peut-être la première difficulté ici, c'est le langage. Que ce soit pour nous ou que ce soit aussi pour eux. Je pense que ça ne doit pas du tout être évident pour eux de venir ici et de s'adapter rapidement à une culture totalement différente de leur culture et une langue aussi.